au niveau de la pensée de feu Mohamed Al-Khoun par rapport à son positionnement relatif à la question d'identité nationale. Alors, moi, c'est la question que je pose aux invités. En fait, comme on sait, bon, il y a l'espace musulman connaît des crises identitaires assez, avec des soubresauts, des hauts et des bas. Et je pense que Harkoun a été un des premiers qui, à travers l'écriture de l'histoire et la vision portée sur le lien entre la religion et d'une part et d'autre part, une lecture critique de la tradition, comme religion et comme tradition, a su trouver le nœud à la notion d'identité nationale. Donc je voudrais un peu approfondir ce point avec les invités. Voilà. Très bien. Parce que je pense que c'est une question très importante. Tu as saisi le... Oui. Vous parlez de la notion de l'identité nationale dans l'espace maghrébin Entre autres. D'accord. Alors... Merci. Oui. Dans un certain nombre d'entretiens que j'ai fait avec lui, où nous avions passé, je dirais, 5 jours à Marrakech, où nous travaillions tous les jours pour faire un ouvrage, ces questions sont revenues. Et pour lui, la notion de l'espace maghrébin est très très importante pour dépasser justement ces clivages d'État-nation dans lesquels se sont enfermés la plupart des régimes qu'on appelle aujourd'hui, en tout cas au niveau du Maghreb. Et il racontait justement que lorsqu'il était venu en France, il s'est retrouvé dans une association qui s'appelait l'Association des Nord-Africains. L'Association des Nord-Africains. Il n'était pas question pour lui ni du Maroc, ni de la Tunisie. Et... C'était le fameux 115 boulevard Michelet, boulevard Saint-Michel, voilà, où se retrouvaient tous ces étudiants maghrébins. Je ne l'ai pas, mais je pourrais vous la donner plus tard. Non, tout simplement, comme c'est Mohamed Al-Khoun est allé à Strasbourg en 1956. C'est de retour de Strasbourg. Là, ça peut être en gros aux alentours de 1957. Mais il s'agissait en tout cas pour lui de ne pas escamoter les différents héritages de cet espace maghrébin. Tout à l'heure, il a cité le cas de Saint-Augustin. C'est-à-dire que pour lui, dans l'espace maghrébin, à partir de 632, il n'y a plus que le fait islamique. Ce qu'il y a avant est complètement occulté. La partie romaine, la partie grecque, etc. est complètement occultée. Et donc il s'agissait de faire ce qu'il dit, c'est-à-dire un remembrement de ce qui a été démembré. Mais un remembrement à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de partir d'une soi-disant origine qui serait hypothétique, dans laquelle on ne pourrait pas avoir accès, mais il s'agissait de partir des problématiques d'aujourd'hui dans ce qu'il appelait l'islamologie appliquée. Et l'islamologie appliquée, c'est une méthode régressive progressive. C'est-à-dire on part aujourd'hui de la manière dont les différents acteurs sociaux, quels qu'ils soient musulmans ou non musulmans, utilisent un certain nombre de paramètres ou de mots, que ce soit la notion de l'identité, que ce soit la notion de l'Algérie, que ce soit la notion du Maroc, que ce soit la notion de l'islam. Il s'agit de faire un panel de tous ces discours-là, essayer de voir sur quel postulat ils reposent, pour ensuite pouvoir les interroger à travers l'histoire. Et c'est ce remembrement-là qui va montrer que nous avons une vision très réductrice de notre passé. Et il s'agissait d'aller sur cet espace maghrébin et ensuite d'aller de manière un peu plus large sur l'espace méditerranéen. Et que le donné révélé lui-même s'inscrit dans cet espace méditerranéen. Et finalement, le discours coranique, en tout cas la tradition islamique, a subi 2 exclusions. La première exclusion, c'est lorsque la pensée islamique va considérer que tout ce qui vient, tout ce qui est avant l'avènement du discours coranique est considéré comme la jahiliya. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout pertinent. Et la notion de dinul haq, la religion vraie, suppose quand même 2 choses. Suppose, un, d'exclure la religion ancienne des Arabes, et ça suppose aussi de subvertir les 2 autres monothéismes, à savoir le judaïsme et le christianisme. C'est-à-dire que la notion de ce qu'il appelle le triangle anthropologique, à savoir la vérité, le sacré et la violence, ce triangle-là est constitutif, et il est constitutif à l'intérieur même du discours coranique. Dans Sourate Tauba, la Sourate 9, il est présent.
Il est présent parce que le discours coranique va justement instaurer des catégories théologiques à des acteurs sociaux. Et donc nous, ces éléments-là qui sont contingents vont être systématisés par le processus et le travail théologique. Donc ce qui relève d'une psychologie de la connaissance à un moment donné va être, je dirais, transcendantalisé, va être vécu comme des catégories définitives dans cette notion de l'histoire du salut, où le discours coranique va disqualifier les autres religions, comme la modernité, ou une certaine conception de la modernité, va disqualifier l'aspect religieux. Et c'est vraiment là tout ce processus-là d'historien qu'il s'agit de mettre à nu pour montrer comment ce que nous considérons être une vérité relève beaucoup de l'arbitraire. À un moment donné, dans l'histoire, qu'est-ce qui fait que tel élément va être considéré comme vrai et un autre va être considéré comme faux? Et c'est pour ça que c'est une pensée subversive, parce qu'elle laisse indemne personne. Et ce travail dont il disait tout à l'heure de Maître Chenu, sur cette intelligence de la foi, que la théologie est un travail de foi dans l'histoire. La foi n'échappe pas aux vicissitudes de l'histoire. Il n'y a rien qui échappe, je dirais, à l'histoire. C'est pour ça qu'il n'utilisait pas des substantifs comme la transcendance ou l'immanence. Pour lui, il n'y avait que des processus de transcendantalisation. Il n'y a pas de sacré en soi, il n'y a que des processus de sacralisation qu'à un moment on va considérer que tel élément sacré. Et c'est par tout un travail de rituel, d'incorporation, que les choses deviennent sacrées dans l'histoire. Merci pour ce brillant éclairage. Oui, madame, je vous en prie. Merci beaucoup. Vous nous avez appris énormément. Enfin, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. Mais en vous écoutant, j'ai l'impression, enfin, c'est mon point de vue, j'ai l'impression que lorsque vous dites que M. Harcourt prône, par exemple, la transgression, la désacralisation, il me semble que c'est là les règles de la méthodologie scientifique. En tout cas, en sciences sociales, il est clair que le doute est un principe de base, qu'il n'y a pas de vérité absolue, et donc on aurait tendance à dire qu'il y a application des règles de la méthode scientifique connue en sciences sociales à ce fait islamique sacralisé et qui est non questionnable ou potentiel ou peut-être questionnable seulement dans certains RS parce qu'il suppose et il postule une liberté de penser, parce que tout savoir est une transgression. Et on n'a pas le droit de transgresser dans n'importe quel pays et dans n'importe quelle ère culturelle. Et donc, je pense que la pensée de Mohamed Harcourt se situe aussi dans un contexte qui permet justement ce questionnable et ce représentable qui est le fait islamique et qui est interdit de penser ailleurs. Par ailleurs, il m'a semblé comprendre que Mohamed Harcourt s'inscrit dans la modernité, dans ce qu'apportent les sciences sociales, la linguistique, l'anthropologie, etc. actuelles. Mais deux choses à ce propos. Aujourd'hui, en Occident, puisque c'est les Lumières, c'est l'Occident, il le dit très fortement, on parle de postmodernité. Et en même temps, il y a quand même une remise en cause de la modernité elle-même. Il y a une pensée. Les postmodernistes, par exemple, je pense à Bruno Latour, qui dit « nous n'avons jamais été modernes » et qui est revenu sur le siècle des Lumières pour justement démontrer en quoi des archaïsmes étaient présents quand on a parlé du siècle des Lumières. Et il y a une autre pensée qui émerge dans des pays émergents tels que l'Inde et qui réfute le siècle des Lumières comme étant uniquement une propriété du monde occidental. Et je termine par une question, si vous permettez, oui, adressée à M. Ralepacher. J'ai l'impression, en vous écoutant et en écoutant Mohamed Harcourt, qu'il y a une espèce de vide. Il y a eu une histoire, il y a eu de la créativité dans le monde arabo-islamique ou arabo-berbère. Il ne faut pas oublier la berbérité. Je n'ai pas entendu Mohamed Harcourt faire référence à cette identité maghrébine. Ça a été pour moi quand même quelque chose qui m'a interpellée.
J'avais l'impression. Ça figure pas dans les extraits simplement. Hein, ah bon. Je vous rassure. D'accord, ouais, d'accord. J'ai eu l'impression qu'il y avait un vide, qu'il y a eu un moment, ce qu'on a appelé la belle histoire ou l'histoire créative des musulmans, et ensuite il y a une espèce de creux ou de vide historique où le penseur ou le chercheur d'aujourd'hui n'a pas d'attache. Si je veux réfléchir aujourd'hui, par exemple, sur des choses très simples, la personnalité. Où je vais chercher d'où ça vient? Quels sont les chercheurs musulmans, arabo-musulmans, qui ont réfléchi à ça dans un cadre islamique, etc. Voilà, j'ai bien, l'impression merci d'être pour votre ton développement et la question donc pour Alep. Merci bien. Chère madame, si j'ai bien compris votre question, elle a un double volet. Enfin, effectivement, une première question, c'est l'utilisation de tout l'outillage intellectuel, de toute une batterie de disciplines, notamment dans les sciences de la culture, les sciences de la société ou les sciences de l'homme, d'une manière générale, les sciences humaines. Et à juste raison, il disait, moi je ne comprends pas ces musulmans qui d'un côté s'extasie de bonheur quand il pense que les sciences dures ont des découvertes qui se trouvent dans le Coran, mais n'utilise pas les récentes découvertes dans les sciences de l'homme pour les appliquer à leur propre patrimoine, le fameux Torah, comme il dit si bien. Donc, et de ce point de vue-là, il a raison. Simplement, il ajoute que même cette batterie de disciplines, l'herméneutique, la médiologie, la sémiotique, la philologie, etc., doivent être aussi questionnées au niveau de leurs critères de validité, et c'est un perpétuel travail, en tout cas. Et en ce qui concerne cette fois-ci l'identité nationale ou l'identité islamique ou musulmane, ou enfin, la personnalité musulmane, il applique aussi, en empruntant cette fois-ci non plus à Claude Cain le fameux triptyque transgressé, déplacé, dépassé, mais il emprunte à Henri Fèvre une autre dialectique qu'il appelle la dialectique des puissances et des résidus. Alors, j'essaie de vous la donner d'une manière un peu plus concise. Il a deux niveaux. Un premier niveau de ce qu'il appelle, lui, les formations étatiques. Et ces formations étatiques produisent de l'écriture. Et l'écriture donne de la connaissance et de la culture savante. Et la culture savante détermine une orthodoxie. Et qui a un lien avec les formations étatiques qui sont les détenteurs du pouvoir. En face de ce premier niveau, il y a un second niveau composé aussi de quatre éléments. Ce qu'il appelle les sociétés segmentaires. Ces sociétés segmentaires ne produisent pas de l'écriture, mais une tradition orale. Cette tradition orale demeure une sorte de culture populaire. Il ajoute dans certains cas populiste. Et elle secrète au regard des formations étatiques, au regard des pouvoirs en place, au regard de ce qui est considéré comme officiel, de l'hétérodoxie et de l'hérésie. Et c'est cette dialectique entre ce qu'il appelle les puissants ou les puissances et les résidus qui, avec cette grille de lecture qu'il faut savoir appliquer, dont il parle lui de sa pertinence, pour pouvoir comprendre les situations du monde islamique, dont il résume les propos. Il aime beaucoup les formules, et surtout des formules ternaires. Une articulation en trois points, c'est quelque chose qui, me semble-t-il, là aussi je parle sous le contrôle de Rachid, il dit par exemple que dans le monde islamique, ou du fait islamique, où ces fameuses sociétés, cette fameuse réalité complexe de société travaillée par le fait religieux, dans sa coloration abrahamique islamique, eh bien, on a affaire à un triptyque, là aussi en trois points, qui est le refuge, le repère et le tremplin. Le refuge de beaucoup d'opprimés sur Terre, de marginalisés, etc., qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils se réfugient dans la tradition religieuse. Et du coup, la religion en tant que telle devient le refuge de bon nombre de musulmans. Le repère,
c'est aussi le repère des contestataires, des, malheureusement nous l'avons vu, même les lieux de culte sont devenus des repères pour terroristes, le repère pour les mécontents, le repère pour les... pour, bien entendu, les agressés, les agresseurs, bien entendu. Et le troisième point, le tremplin, ben c'est le tremplin carriériste pour beaucoup qui utilisent, pour ne pas dire instrumentalisent, la tradition religieuse pour d'autres fins que spirituelles. Soit en la domestiquant pour des considérations politiciennes, je ne dirais même pas politiques, soit pour des considérations idéologique, voire mytho-idéologique, comme il le dit si bien. Et donc, ce travail de déconstruction qu'il y a lieu de mener, non seulement, alors que c'est nécessaire pour l'intelligibilité de la foi, ou une foi en quête d'intelligence ou d'intelligibilité, avec la théologie comme étant la foi mise à l'épreuve, comme il le dit si bien, mais aussi, pas pour détruire, parce qu'il est très respectueux, de la foi comme invitation au mystère. Simplement, elle va peut-être de la spontanéité la plus immédiate, mais il faut aussi qu'elle soit broyée par la machine de l'entendement. Il faut aussi qu'elle soit tamisée par le filtre de la raison. Et aussi une raison qui ne reste pas à celle des Lumières, comme vous l'avez si bien dit, parce qu'elle a montré non seulement ses limites, avec tout ce qu'il propose, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il dissèque à propos de la guerre juste, il dit que les Lumières ne nous ont pas mis à l'abri de faillites civilisationnelles, morales, intellectuelles, comme anthropologiques même, comme les deux grands désastres du siècle écoulé, tout comme la violence qui caractérise un point paroxystique le monde ou ce vaste espace socio-historique qu'on appelle le lieu de l'islam avec grand T cette fois-ci parce qu'il a tout un développement sur la graphie. Islam écrit avec I minuscule, islam écrit avec I majuscule.